Depuis la fin de Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin est toujours ami avec Frédéric. Ils ont même organisé un week-end avec leurs chéries respectives, comme ils l'ont fait savoir sur Instagram. Le mardi 13 juin prochain, la finale de Koh-Lanta, le feu sacré aura lieu sur TF1. L'épreuve des poteaux sera disputée par Nicolas, Tania et Frédéric, Quentin ayant été éliminé juste avant l'épreuve de l'orientation et Julie n'ayant pas réussi à trouver son poignard pour se qualifier pour l'ultime étape de la compétition. Si, pour certains candidats, ça a été une vraie déception de quitter l'aventure aux portes de la finale, l'émission aura tout de même donné naissance à plusieurs amitiés. Pendant le tournage, Frédéric et Quentin se sont très vite rapprochés. Mais à la suite de la recomposition des équipes, ils ont dû se séparer. Au moment de la réunification, ils étaient alors très heureux de se retrouver. Et cette amitié a réussi à perdurer après le tournage de Koh-Lanta. Une belle brochette que voilà. Ce vendredi 9 juin, Quentin a d'ailleurs publié plusieurs photos de lui en compagnie de Frédéric sur son compte Instagram. Sur ces clichés, les deux aventuriers sont également avec leurs femmes respectives. L'occasion donc pour ces dernières de se rencontrer et de créer une nouvelle amitié. Autour d'un bon repas, Quentin a alors déclaré, « Une belle brochette que voilà. Et quel week-end chargé. Je ne peux pas poster les gros dossiers. Même si j'aimerais beaucoup. Quelle belle rencontre. » Ce à quoi Frédéric a répondu, « Et d'autres à venir. » Les internautes réagissent à la publication Instagram de Quentin, une amitié qui a rapidement fait réagir les internautes, qui sont plutôt heureux de voir que Quentin et Frédéric ne se sont pas lâchés depuis la fin du tournage. Parmi les commentaires publiés, on a pu lire, « En tout cas, vous vous êtes trouvés, si est-il un sacré beau cadeau, ça. Top, vous êtes restés amis dans la vie de tous les jours, belle amitié, c'est vraiment une super amitié et une super rencontre. C'est incroyable, le hasard de Koh-Lanta. Ou encore super de voir que des amitiés ont été gardées même après. Une relation amicale qui devrait sûrement être évoquée au moment de la grande finale sur TF1. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Nah.